Salut, salut, bonjour, bonjour, c'est Congo News. Nous sommes encore aujourd'hui pour vous présenter cette émission sur la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, avant de commencer, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos abonnés, nous disons merci aux téléspectateurs qui nous suivent à cet instant. Aujourd'hui, on va parler de la rencontre du président Félix Tshisekedi avec la directrice générale du Fonds monétaire international à Washington. Pendant la réunion avec Christine Lagarde, le président Félix Tshisekedi a expliqué la situation économique de notre pays. La mission de FMI est d'aider les États membres de l'institution. Je suis ravi qu'on ait pu renouer la relation et mettre en place ces partenariats, travailler ensemble à l'amélioration de la situation économique et à la situation des populations de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a dit Christine Lagarde à la sortie de cette rencontre. Bien-aimé, Lelo Tozo Solola, Néni président de la République à Koutanakina, Christine Lagarde, Oaza, directrice générale du Fonds monétaire international à Washington, aux États-Unis. Na rencontre en Boyebete, organisme OYO et d'accord financièrement monde entier. Alors, Bissot, EDC Tozaki, relation Zaïchoumala Moutena Bango. Relation entre Fonds monétaire international et Kabila Isaïe Kitoko vraiment. Parce que financièrement, Kabila a géré finance malamouté. C'est-à-dire, battre sur un bon union sur base de la Fonds monétaire international, il y a ba aide ou ezo ya nandenge na ya kusunga RDC bambon ezo ke na maboka batu. Alors relation est qui coupée. Alors, président Tshisekedi a renouvelé la relation wana entre le Fonds monétaire international et la FDC. Parce que avec Kabila, mbongo nyonso bazwaka na Fonds monétaire international ezo kenda ba poche ba ministre. Ba mbongo wana tile le mwana tina trésor public. Alors, président Félix avec le nouveau gouvernement ba renouvelé la relation entre le Fonds monétaire et la FDC. Mpo esunga RDC financièrement na avenir, par exemple ceux qui ba zimba na Fonds monétaire et des pays au lieu que na ba poche abatu. Alors Fonds monétaire ba féliciter Tshisekedi parce que ba moni yaza na bonne direction, yazo lutter contre la corruption, parce que sozo lutter contre la corruption et tokoza na croissance moko économique, alors tokoza supporter na Fonds monétaire international. Alors, bien aimé, tu es conforme, mieux que maintenant la relation. Il y a Congo, dans le Fonds monétaire international, maintenant, et Zongi, à vous de commenter. Au revoir et à la prochaine.